bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale... come la continua a sfruttare l'Africa, stampando moneta alle 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere. Vicerini, viva senza erpi! Non ci venite a fare lezioni, Macron! L'Africa si fa noi! E la soluzione non è spostare gli africani in Europa! Da certi europei! Non attacchiamo l'Africa! Qui assure la présidente tournante de l'Union européenne, et Emmanuel Macron, une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe. Je voudrais commencer par Dr. Paul Bekima, du côté des États-Unis d'Amérique. Quel regard vous portez sur ce New Deal qui est proposé? Une sorte d'investissement ensemble, d'égal à égal cette fois-ci. Bachir, je ne crois pas que l'Afrique va continuer à accepter de quelles provocations. La déclaration de Macron d'alliance est déjà une grande provocation. La déclaration finale de cette réunion en 8 points en est une plus grande. Je tiens, avant même d'élaborer quoi que ce soit, de rappeler aux Européens que l'ancienne génération africaine est un peu ignorante, donc la génération est éclairée, elle est vocale, mais elle est non violente. S'il continue d'enchaîner de la génération future sera encore plus éclairée, plus vocale, mais peut-être violente. Et il ne va supporter la violence qui va suivre le déchaînement africain. Donc, il doit faire un peu attention. Voilà un individu, Macron, qui prétend avoir la capacité de lire, comme dans une boule de cristal, les besoins futurs de l'Afrique et de penser que lui, Macron, serait capable d'y apporter des solutions. Voilà. Il se donne un don de voyance que j'ai du mal à comprendre et qui ferait même freiner leur charlatan préféré, plus connu qu'on appelle Michel de Notre-Dame, qu'on connaît beaucoup plus sous le pseudonyme de Nostradamus. Macron est en train de s'embrouiller complètement parce que le contexte géopolitique, le contexte historique, le contexte du moment est tel que l'appui de ceux qui prétendent être ses alliés ne viendra pas. Les acteurs. J'aime un peu, pour me parler de communiquer, regardez les acteurs de ce sommeil au sens de Barakani, tu t'aimes, au sens de Barakani. Quels sont ceux qui y sont? Il y a l'Union européenne en Afrique, dont tout le monde sait, dès que Agathe Bamou élection comme président de la commission, on a su que l'Union africaine était morte définitivement parce que la personne qui est là n'a aucune personnalité, n'a pas de caractère, c'est pratiquement un homme transparent. Il y a l'Union européenne. Quels sont ceux qui sont à l'Union européenne aujourd'hui? Il y a ce Charles Michel qui est le symbole de tout l'échec politique de la Belgique. Il y a
Ursula von der Leyen, qui était ministre de la Défense et qui fait l'objet de plein de scandales. Il y a eu le scandale déjà de l'audit de la Défense en Allemagne. Elle a remis, quand on faisait les enquêtes, elle a remis deux téléphones, elle avait effacé toutes les mémoires. Au moment où on a commencé à mettre la pression sur elle, ses maîtres l'ont fait bondir sur l'Europe. Et aujourd'hui, en Europe, elle a le scandale de Big Pharma. Et avant cela déjà, elle avait le scandale de sa thèse doctorat de médecine qui, de l'avis même de la commission, était un plagiat. On a juste dit que le plagiat n'était pas volontaire. Regardez donc les gens vers qui l'Afrique se tourne pour demander, mendier des solutions à ces problèmes. Pour les États-Unis n'interviendront pas. Et la France va se faire bouffer par ses alliés. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont même dans une position de fébrilité extrême. Tout leur espoir repose toujours aujourd'hui sur le fait que leur dollar continue d'être la principale réserve de change. Ils essaient d'amadouer les gens pour qu'ils entrent dans la crypto-monnaie et adhèrent à ce qu'on va appeler les changements climatiques et tout, pour essayer de se donner un petit temps de prolongation. Les Américains savent pertinemment que la moindre, comment dire, le moindre tremblement de terre géopolitique dans le monde va les faire dégringoler. Parce que si les gens se décrochent du dollar, l'Amérique s'écroule du jour au lendemain. Les Américains en sont conscients. Ils ne vont pas prendre des risques pour les Français. Et donc, où nous sommes là, le contexte historique se prête tellement et est tellement favorable que la lutte des Africains vers leur libération est totalement enclenchée. Et comme je l'ai dit, le Mali nous sert de laboratoire d'élaboration de la nouvelle Afrique et personne ne pourra s'y opposer. Nous avons tous travaillé dessus et nous sommes désormais tous des Maliens dans l'âme. Donc, merci, M. Ladan. Docteur Basileka, docteur Bekima considère ce sommet ou ce plaidoyer d'Emmanuel Macron pour une nouvelle alliance, il la considère comme une sorte de provocation. Non, Bachir, je crois que M. Macron a tout simplement perdu le nord. C'est vrai, on a l'habitude que même des personnes à peine lettrées comme M. Sarkozy est venu à faire le voyage de Dakar pour rappeler à un professeur des universités françaises que l'homme africain n'est jamais entré. Je parle d'Abdoulaye Wade, hein. Vous savez qu'il est professeur titulaire des universités françaises, que l'homme africain n'est jamais entré dans l'histoire. Je sais que les Français se servent de l'Afrique comme d'un dépotoir. Premièrement, c'est en Afrique et en Afrique uniquement que la France puise toute sa substance économique. Je vous rappelle qu'en ce moment, la France a la troisième plus grande réserve d'or au monde, après les États-Unis et l'Allemagne. Les États-Unis, on sait comment. Le docteur Diabaté vient de nous le rappeler. En faisant du dollar le soutien de tous les échanges monétaires, eh bien, les États-Unis ont pu accumuler de l'or. La France, eh bien, c'est tout simplement le compte d'opération des Africains dans son trésor dont elle dispose à volonté. C'est-à-dire, les accords de 1959 disent que les Africains vont déposer 100% de toutes leurs réserves en France. Et ça, je crois, c'est jusqu'en 1972. Elle a desserré un peu les taux. Aujourd'hui, nous déposons 50% pour payer le fait qu'elle garantit notre monnaie. Nous payons 15% parce que c'est elle qui fabrique notre monnaie.
et elle prélève sur chaque opération internationale effectuée par les pays, les 14 pays, 9, une commission de 9,4%. C'est-à-dire que quand nous vendons notre cacao au Japon et que le Japon nous paye 100 yens, nous n'avons même pas 30 yens qui nous arrivent à nous. Et vous comprenez que dans ces conditions, un pays comme le Cameroun, qui veut faire une autoroute entre les deux principales villes du pays, Douala et Yaoundé, ça fait 9 ans que ça dure. Pourquoi? Simplement parce que pour construire une autoroute, il faut importer les biens de l'étranger. Et ces biens se payent en devises. Et les accords de 1959 disent, vous déposez vos réserves en devises au Trésor français, mais ne disent pas à quelles conditions le Trésor français peut les mettre à nos dispositions. Alors, elle les met à nos dispositions seulement quand elle en a besoin, quand elle trouve son intérêt. Et vous savez encore que les accords de 1959 disposent que toute intention d'action économique, sociale, politique et culturelle de ces 14 pays doit être annoncée à la France entre 24 mois et 6 mois. C'est-à-dire que le président Biya veut faire une visite officielle au Japon, il doit avertir Paris. Si ces accords-là sont appliqués tels que c'est écrit, vous comprenez pourquoi nous ne nous développerons jamais. Parce que si quelqu'un sait ce que vous voulez faire, s'il découvre que ce que vous voulez faire va gêner si peu que ce soit sa propre postérité, eh bien, humainement parlant, personne ne céderait. Si on avait dit à Paris que, attention, au Mali, là, il y a un colonel qui s'appelle Assimi Goïta. Je vous assure qu'il l'aurait assassiné dans son sommeil. Malheureusement, personne ne sait de quoi demain est fait. Et M. Macron et la France sont vraiment, vraiment en chute libre. Et la réaction normale aurait été de dire aux Africains, voilà, ça fait au minimum un siècle que nous sommes ensemble. Les conditions, malheureusement, pour moi, changent en votre faveur. Comment pouvons-nous gérer l'avenir? Au lieu de quoi? Mais vraiment, à Paris, on cherche la petite bête. Dès qu'il y a un coup d'État, oh, c'est la mauvaise gouvernance des nègres. Ils n'ajoutent pas des nègres, mais on comprend que c'est cela. Dès qu'il y a même un tremblement de terre, c'est parce que le gouvernement ne travaille pas bien. Et les Français n'ont pas de sentiment. Leurs meilleurs amis, les Africains qui les ont aidés au plus profond d'eux-mêmes, à chaque fois, quand ils le lâchent, vraiment tu as pitié. Regarde Compaoré. Ils s'en sont servis pour éliminer Sankara. Regardez comment il est abandonné à lui-même. Le tribunal qui se passe au Burkina maintenant, à supposer que Compaoré soit condamné, il sera contraint d'y retourner. Hein, parce que Ouattara, qui le protège là maintenant, il n'a pas l'éternité devant lui. Alors, ce que j'ai dit aux Africains, par là nous sortons, c'est ça ne sert à rien de mener des guerres. Si les Français viennent négocier, il faut simplement bien négocier. Parce que moi, je suis croyant, hein, et Dieu nous demande de pardonner à nos ennemis. Et même d'aimer nos ennemis, parce que si vous n'aimez pas vos ennemis, vous êtes comme eux-mêmes. Alors, moi, je crois que la seule chose qui reste aux Français, ce serait de revenir vers les Africains. Sauf qu'il se trouve que les interlocuteurs africains face auxquels ils pourraient revenir, est-ce qu'ils ont l'étoffe requise pour bien apprécier les choses? Parce que la grande faute des Français,
c'est qu'avant 1960, ils ont systématiquement éliminé, je veux dire, assassiné tous les Africains qui étaient susceptibles de penser juste. Et après 1960, ils n'ont pas baissé les bras. Ça a commencé avec Sylvanus Olympio, Jusra Gbagbo, dont ils ont bombardé le palais pour extraire un chef d'État légalement élu et aller le mettre en prison à La Haye. Je crois que la France est dans des sales draps. Parce que quand elle viendra, quand elle essaiera de discuter avec les Africains, je ne suis pas sûr que les Ivoiriens qui ont vu leur président arrêté comme un rat, les Libyens qui ont vu leur président assassiné par la France, eh bien que ces gens-là soient en mesure de dire oui, venez, on va discuter. Mais Dieu sait toujours préserver les siens. Merci, docteur Basileka. Bertrand Tachinda, le New Deal aujourd'hui auquel on fait allusion, on en parle quand même depuis de nombreuses années. Il me souvient que Sarkozy, en s'approchant des Africains, avait parlé d'un New Deal égal à égal. Hollande, quand il arrive, il dit qu'il faut complètement redéfinir le paradigme. Ce sera d'égal à égal. Et aujourd'hui, Macron qui parle d'égal à égal. Finalement, qu'est-ce qui a changé depuis lors? Rien n'a changé. Et qu'est-ce qui pourrait donc changer avec Macron aujourd'hui? Macron propose par exemple d'investir ensemble, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi j'essaie de fouiller comment ça va se faire, c'est-à-dire l'Afrique et l'Europe vont investir ensemble dans des projets pour contrecarrer Russes et Chinois. Bachir, c'est très décevant et c'est honteux. Nous sommes le dernier continent qui servons une pareille pitrerie à la face du monde. Ça n'existe pas même en Amérique latine. Il y a des sommets qui rassemblent les pays de l'Amérique latine et les États-Unis. Ce qu'on a vu là, ça ne se fait pas comme ça. C'est une honte. Ça fait pitié. Je me suis levé après ce sommet. C'est du même niveau que le fameux sommet où on négociait les droits de tirage spéciaux pour l'Afrique, où M. Macron fanfaronnait. Oui. Et à l'époque, qui était à côté de lui, tout un gros chef d'État comme Tshisekedi, président de l'Union africaine, et qui expliquait que je veux vacciner 70 millions de Kinois et de Congolais. Il n'arrive pas à sécuriser l'Est de son pays. La corruption en RDC, j'ai un ami. J'ai demandé c'est comment la corruption là-bas. Il a failli s'étrangler de rire et dit que mais on pleure Kabila. Je veux commencer par donner quelques chiffres. Il y a 46 pays africains pesant plus d'un milliard en termes de population, qui ont tous signé un accord commercial avec la Chine. Je dis 46 sur 54, 46 pays africains qui pèsent plus d'un milliard d'habitants ont signé un accord commercial avec la Chine. Deuxième chiffre, il y a plus de 10 000 entreprises chinoises installées en Afrique qui prévoient en 2025 se projette de faire un bénéfice de près de 250 milliards de dollars. Je parle d'entreprises chinoises. Deuxième autre chiffre. La Chine, c'est le premier exportateur vers l'Afrique. 111 milliards de dollars, près de 28%. C'est-à-dire de tout ce que nous recevons. Un autre chiffre. Entre 2009 et 2018, la Chine a multiplié par 19 ses exportations vers la Chine. La Russie par 9. La France par 1,7. Tous ces gros Africains qui étaient à l'Union européenne, ils venaient derrière la France. D'ailleurs, il y a eu le sommet à l'Élysée, ils venaient derrière la France. Donc, il ne faut pas confondre sommet Union africaine et les intérêts de la France. Je donne les chiffres. Un autre chiffre. La Chine détient 60% de la dette des pays sud-sahariens. C'est-à-dire que les pays en dessous du Sahara, Pékin détient 60% de leurs dettes. Un autre chiffre, la Chine détient 63% de la dette des pays du G20. J'ai dit 63%, y compris la France, l'Union européenne, les pays du G20 là. La Chine a 63% de la dette. Un autre dernier chiffre. La Chine est le premier créancier du monde, avec près de 880 milliards de dollars.
tout ça pour vous dire que quand on parle finance, on parle géopolitique financière, on parle perspective, on parle affaires, on parle New Deal, on parle projection en termes d'industrialisation. Qu'est-ce que vous faites avec des branleurs, avec des idiots, des meurs la fin? Je vous donne les chiffres européens. Vous avez le ratio. Un pays comme la France. La France, c'est 2739,2 milliards d'euros de dette. C'est 118,2% de son produit intérieur brut. C'est-à-dire que si on analyse ce chiffre, d'après les indicateurs et les commentateurs français, la France est un pays qui vaut 1 euro. Total faillite. Vous savez, quand quelque chose ne vaut plus rien, on le vend à 1 euro. La France est 1 euro. Ça ne vaut plus rien. Et quand vous faites un ratio dette publique, dette publique et produit intérieur brut, vous avez la quasi-totalité des pays européens qui sont au-dessus de 100%. La Grèce est à 206%. L'Italie est à 156%. L'Espagne est à 130%. Vous vous asseyez avec des gens comme ça et vous parlez de New Deal. Mais vraiment, Bachir, c'est-à-dire, nous, c'est pour ça que nous disons, je le proclame ici, il y aura encore des coups d'État que nous allons applaudir. Je vais même plus loin. Nous allons commander bientôt les coups d'État. Ah ben non, Bachir, nous allons commander les coups d'État. Parce que, Bachir, c'est une honte. On ne peut plus. Qu'est-ce que vous attendez? Je vais plus loin. Les 150 milliards de dollars promis, vous savez ce que c'est? C'est une dette qui vous sera donnée par la Banque européenne d'investissement. Ça rejoint ce que Dominique Strauss-Kahn avait expliqué et dire que il faut faire taire ces Africains. Prenez le franc CFA, faites-le gérer par la Banque centrale européenne. Voilà. C'est les conseils de Dominique Strauss-Kahn. Et expliquer qu'endettons ces idiots, ces abrutis, qui ne comprennent rien, qui ne veulent pas se développer. Faisons un New Deal. Appelons les Macky Sall, les Monsieur Ouattara, tous ces fous. Et on va leur brandir 150... Il n'y a rien, hein? On va leur brandir 150 milliards d'euros. Ça va être recherché par les États européens et par les institutions financières européennes. Et on fera passer ça par la Banque européenne d'investissement. Et vous savez ce qui est le plus choquant? À l'intérieur, ils mettent deux poisons lents. La bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. Ouais. Monsieur Sassou Nguesso est content d'être là. Mais quand on lui dira que, monsieur, vous arrêtez vos opposants parce qu'ils ne veulent pas que Christelle Sassou Nguesso devienne chef d'État, il va tenir des discours panafricanistes. Vous allez le voir, il dit que non, vraiment, les affaires du Congo se font au Congo. Vraiment, nous, que l'Union européenne fait. Mais là, il était très content avec le costume croisé, très élégant, très beau garçon, d'être assis dans une histoire devant des gens qui sont en totale faillite. Bachir, vraiment. C'est par respect pour vous que je viens encore commenter ça. Mais, c'est une honte. Merci à nous. Nous commanderons des coups d'État. Vous savez qu'il est très partagé. Merci Bertrand Tatinda. Alors, Henri Diabaté-Mandin, je vous ai vu tout de suite. Alors, quand même, 150 milliards d'euros promis à nos dirigeants dans le cadre de ce sommet, ça fait quand même une grosse cagnotte. Je vois, quand on convertit en CFA, ça fait 9825 plus 10 zéros de l'autre côté. Je ne sais pas comment on dit ça. En tout cas, 9825 avec 10 euros. Mais en France, c'est quand même une bonne cagnotte pour les dirigeants africains. Ce n'est pas du tout pour les pays d'Afrique. C'est pour investir. Non. Contrecarrer la Chine et la Russie. La route de la soie qui passe par les pays subsahariens, ça inquiète l'Europe. Après la merveilleuse démonstration de mon frère Tatinda, on ne veut même plus parler. Moi, je veux plutôt parler sur autre chose pour que vous compreniez rapidement. Quelque chose qui est très avec l'actualité au Cameroun. Qui s'appelle le pain. Oui. Pour vous montrer que ce qu'ils font là, parce qu'un, on ne vous donnera jamais ces, combien là, 160 milliards, 150 milliards d'euros. Jamais, ce sont des promesses. C'est des promesses. Ce sont des promesses fallacieuses qui ne sont, c'est-à-dire qu'il n'y a que les idiots pour les naïfs pour croire à ce genre de banditisme. Parce que jamais, vous ne sortirez jamais de là-bas chacun avec un gros sac d'argent. Non, jamais. On va vous dire, non, on va vous aider, ne vous gênez pas. On va faire ceci, on va faire ça. Mais il y aura des conditionnalités. On va faire ceci, il faut d'abord accepter l'homosexualité, vous aussi, là. Voilà, il faut accepter ça, il faut accepter ceci. Signer des contrats avec quelques sociétés, dans certains domaines stratégiques, là, il ne faut plus donner tel contrat d'armement, tel contrat de diamant à tel. Donc, et à la fin...
Dans 10 ans, disons dans 6 mois, on vous dira qu'on est passé à autre chose. L'actualité fera qu'on est passé à autre chose, on vous dit d'attendre. Vous aussi, pris au piège, pris au coup par votre population, vous allez rester calme. Donc, il faut comprendre. Donc, je veux revenir à une actualité qui est très forte au Cameroun, qui s'appelle le pain. Oui. Le prix du pain a augmenté. Les meuniers sont fâchés. Pourquoi ils sont fâchés? Dit que le blé, le prix du blé a augmenté. Prix des transferts, des coûts. Va augmenter par endroit. Le fret, oui, ça a augmenté. Oui. Du coup, ça surenchère sur le prix du pain. Il faut accepter. Or, le pain, c'est un aliment social, utilisé par tout le monde. Voilà. Mais il faut comprendre. C'est que je sollicite toute l'histoire pour que les gens comprennent. Lorsque le président Idjo dit ici, là, parce que le pain, c'est un animal colonial, on ne connaissait pas le pain ici. Nous, on avait, chaque région avait la Chikwang là-bas, dans la région du Congo, du bassin du Congo. Il y avait les Mintumba ici, il y avait, en Afrique de l'Ouest. Donc, chacun, il y avait le pain de mille. Chaque région avait son pain en fonction de la spéculation agricole qui existait, qui était là-bas. Oui. Donc, c'est comme ça, chaque région en Afrique avait son pain. Les Blancs sont arrivés avec le pain, nous ont dit, ben dis donc, il faut manger comme les Blancs. C'est-à-dire le matin, il faut avoir sa baguette, il faut. C'est là où tu es un homme civilisé. Et du coup, c'est rentré dans nos mœurs. Mais quand on regardait le prix du blé, le coût de l'importation du blé dans le budget du Cameroun, le président Idjo constatait que c'était trop. Et son ministre, son conseiller spécial à l'économie, s'appelait Marcel Yondon. Marcel Yondon lui a dit, mais dis donc, c'est trop, monsieur le président, on peut trouver un moyen. Le président a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le blé, c'est une culture des pays tempérés, on ne peut pas faire ça. Mais que non, les Allemands avaient expérimenté la culture de blé dans le nord du Cameroun, dans certaines zones où les températures sont basses. Donc, on peut aussi, et ça avait eu des résultats probants. C'est la Première Guerre mondiale qui a stoppé ces résultats. Le président a dit bon, et oui, dans la zone de Ngaoundé, ils avaient essayé. C'est comme ça que le président Idjo décide de mettre sur pied la société, la société de blé, pour fabriquer le blé, pour qu'on ait le blé, pour cultiver le blé. Sauf que les Français lui font une cour terrible pendant au moins 8 mois. Ils viennent à Yaoundé. Les ministres se suivent et se succèdent à Yaoundé de l'économie tous les jours. Les syndicats des meuniers de Paris quittent là-bas Paris, viennent en courant ici dire que non, on n'accepte pas. Le type que vous avez mis là-bas à Yaoundé, regardez ce qu'il nous fait. Et vous savez que si le Cameroun commence à avoir le blé, ils vont vendre partout en Afrique centrale et ça va nous couper tous les marchés. Ils ont dit que non, nous on va planter, mais avec vos conseils. Comment se fait-il que toi, ton principal rival sur le marché, c'est lui qui est ton conseiller, lorsque toi tu veux mener et qu'est-ce qui se passe? Les gens qui, chez qui le président Idjo choisit, s'appellent qui? S'appellent la Somdia. La Somdia sont eux qui sont en Banjok. Ils étaient en train de faire les premiers arpents de sucre. Ils voulaient créer une usine de sucre. Et c'est la Somdia, c'est l'actionnaire majoritaire de la Somdia, qui est le patron des blés, des producteurs de blé à Paris. Donc vous comprenez, la grande famille, la Villegrain, si c'est Villemain, si c'est Villegrain, c'est eux. C'est eux qui contrôlent ça. Donc, comme ils sont là en Banjo, ils disent, nous on peut même vous aider. Donc c'est comme ça qu'ils vont à Wassandé, en Ngaoundéré. Et effectivement, il devient le principal conseiller technique dans l'affaire. Il nous donne des espèces de blé qui ne poussent pas, qui ont un rendement à l'hectare faible, qui ne résistent pas à notre latitude. Et c'est clair qu'au bout de 5 ans, la société périclite parce qu'on n'a pas les rendements escomptés et les dépenses qu'on a engagées ne parviennent plus, c'est-à-dire les rentrées ne parviennent plus à résorber les dépenses qu'on a eu à faire. La soude de blé meurt et le Cameroun se remet alors à importer le blé. Et aujourd'hui, la facture est salace. 174 milliards. Nous importons le blé. Donc, il faut comprendre que lorsque les Européens nous disent, à l'instigation de la France, ils disent le New Deal. Non, le New Deal, c'est que restez aussi chez vous avec votre blé. Nous aussi, vous acceptez que nous aussi, on fasse
le pain de Mintumba, le pain à base de patates, le pain de Kumba Bread, ça devient notre pain national. Et ça, c'est là-bas, s'il faut un New Deal, c'est dans ce type de New Deal que nous, on est prêts. On est prêts à accepter. Mais le New Deal où ce sera par rapport à la Chine, à la Russie, ça ne sert à rien. On a des objectifs clairs, on a des situations claires. Quand nous enlève des choses néocoloniales comme Camille Toyota, on ne veut plus voir ça. Ils achètent des véhicules à 10 millions sous franchise en Afrique du Sud. Ils nous viennent nous revendre ici à 60 millions. Et quand nous, dans l'administration, sont tapis des fonctionnaires dangereux, ils vont vous acheter 300 sous-préfets, 300 voitures de 60 millions. C'est des milliards, ils se partagent ça. Ce sont les comptoirs coloniaux, il faut arrêter ça. Merci. C'est ça la colonisation. C'est le New Deal exige de mettre fin. C'est-à-dire qu'on reste d'abord là. On discute d'abord sur le franc CFA. N'est-ce pas que dans nos réunions de village, on s'assoit d'abord, en fin d'année, en fin d'exercice, on met tout à plat. On dit que, bon, monsieur Bandakane, vous avez cotisé combien? Monsieur Tatinda, vous avez cotisé combien? Voici vos intérêts. Nous, on cotise depuis 1960. Qu'est-ce que le franc CFA nous a donné comme intérêt? Parce que l'argent, là, ça ne dort pas dans les caisses de la Banque de France. Hein. Ils mettent ça dans les marchés. Ils mettent ça dans les marchés internationaux, le marché international des capitaux. Ça rapporte des intérêts, nous, on n'est jamais au courant. Aujourd'hui, il faut qu'on sache combien on a cotisé. Quels sont les intérêts? Cela a généré combien d'intérêts? Vous avez utilisé combien? Dites-nous. Vous prenez aussi la dette. Vous savez à quel point l'audit est dangereux. Mais dans le New Deal, alors, c'est le banditisme. Voilà. Merci en tout cas, Ali Diabaté Mandel. Vous l'avez expliqué vraiment à nous. Ils sont très, très, très contents de vous écouter. Ils comprennent mieux ce New Deal. Président Mandakani, avec vous, on va ressortir la famille dont vous parliez. Oui, c'était justement Villegrain. Merci infiniment. Président Mandakani, alors on a 3 minutes pour conclure l'émission. Vous avez la parole. Le docteur Basile King a convoqué ici la nécessité d'écouter la France si elle veut négocier. Je comprends son optimisme religieux. Les faits sont clairs. J'ai déjà indiqué ici, et c'est démontré que la France n'est pas capable de parler avec les Africains. Il y a un type d'Africain avec lequel la France parle à l'aise. Vous les avez vus à Bruxelles. Ce sont les gens comme les Macky Sall. Cette racaille politique de chefs d'État qui sont allés à Bruxelles, voilà les gens avec qui la France peut parler. Dès qu'un Africain se comporte comme Assimi Goïta, qui lui-même dit qu'il n'est pas un révolutionnaire, il vous dit lui-même que non, moi je ne suis pas un révolutionnaire, je veux seulement que mon pays soit souverain. Regardez le comportement de Macron. Regardez le comportement de l'Union Européenne. Regardez. Tout à l'heure, Bertrand l'a dit, il n'y a qu'en Afrique où on voit ça. Vous traversez votre continent pendant que vous, un pays frère est massacré par d'autres pays, le Mali. Un pays frère, c'est-à-dire qu'un État frère. Vous traversez le pays frère. Vous contribuez à massacrer le pays frère. Vous allez vous asseoir avec des pays qui sont en train de vouloir dépecer un pays frère. Vous êtes africain. Macky Sall, Ouattara, Bazoum, tous ces bandits-là. Le bandit du Ghana, mon cher Bachir. Tous ces bandits-là vont s'asseoir à Bruxelles pendant qu'un pays frère, on est en train de détruire un pays frère. Et vous appelez ça l'Africain. Ils sont maudits. C'est une malédiction, Bachir. Le monde vous regarde. Le monde vous regarde, Bachir. On parle de quoi? Le monde vous regarde. Et ils vont s'asseoir avec qui? Pour faire quoi, Bachir? L'Europe chasse à meurtre. Takuba est venu là. C'est quand les attrapés qu'ils ont fui. Ils étaient d'accord avec la France. Sachant très bien ce que la France fait en Afrique. Le crime. Ils sont solidaires pour vous écraser. Mais que font les Africains, les gens présidents? Ils ne sont pas capables d'être solidaires du Mali, Bachir. Du Mali. Même si le Mali avait tort. Est-ce qu'on fait ça? Vous sacrifiez un pays frère comme ça pour aller vous asseoir avec un bandit Macron, un vaurien comme ça? Président Bandakani. Président Bandakani. Vous parlez de quoi? C'est un sommet de mort, de vampires. Les vampires, les buveurs de sang se sont retrouvés. Ils ont voulu boire leur sang sur le dos du sang malien. Ça ne passe plus. Mon cher Bachir. Donc, désolé, docteur Basileki. Il n'y aura pas de négociation avec la France. Ça, c'est un souhait religieux. Vraiment, avec les Français, ça ne marchera pas. Jamais, oublie ça. Parce que tout Africain qui aime son pays, les Français vont te
démolir. L'Union européenne ne parle jamais avec les Africains qui aiment leur pays. Jamais, et nous le ferons. Mon cher Bachir, deuxième question que je pose. Qu'est-ce qui se serait passé si ce qu'on appelle chef d'État là n'était pas allé à ce sommet? Moi, je vous pose une question. Imaginez que le chef d'État là ne soit pas allé à ce sommet. Il y aurait quoi? Qu'est-ce qui se serait passé, quoi, Bachir? Vous voyez, c'est des traîtres volontaires. Ils sont volontairement des traîtres. Bachir, c'est parce que leurs intérêts personnels et ceux de leur famille, de leur petit clan, Bachir, qui n'ont rien à voir avec les intérêts de leur peuple du continent africain. C'est ça qui les amène là, parce que analyser. Dites-moi, si c'est pour ça le parti par là-bas, il devrait avoir quoi? Pourquoi est-ce qu'actuellement là? Imaginez que les présidents africains boycottent le sommet, il y aurait eu quoi? L'Europe va faire quoi? L'Europe est en mesure de se passer de vous? On ne parle pas de la même voix. Parce que ce ne sont pas des Africains, ces gens-là. Ce ne sont pas des Africains, Bachir. Mais tu vois, tout à l'heure, quand je vous décris ça, mais tu as même de démontrer magistralement. Dites-moi ce qu'elle s'est passé si le président avait seulement dit en solidarité avec le Mali, nous boycottons ce sommet. Il va avoir quoi? Rien. Pourquoi que l'histoire fonctionne comment? Pourquoi qu'on se fait respecter comment, Bachir? Ça se passe comment? Pourquoi les Blancs font ça et ils ne voient pas? Parce que vous avez des trucs pour voir que le Macky Sall, ces gens-là, les Ouattara, toute cette génération, ce n'est pas possible ça, Bachir. Mais ça peut continuer comme ça? Et c'est là qu'il s'agit, mon cher Bachir. Et c'est pour ça que depuis un bon bout de temps, nous avons dit ceci. Prenant acte de cela, nous avons dit, nous considérons désormais que les présidents ne parlent plus à notre nom. Ils n'ont pas le monopole de parler au nom des Africains. C'est fini ça. C'est parce qu'on est un président qu'on a le monopole de parler au nom de tout un peuple. Nous, on a le droit de parler. Et quand ce sera nécessaire, comme elle a dit, on va appeler à des coups d'État. Bachir, oui, on va être clair. Parce qu'on ramasse des ordures pour les s'asseoir à Bruxelles et faire un sommet des ordures. Dit que ça nous engage, Bachir, on peut pas se taire, mon cher Bachir. On peut pas se taire. C'est très important. Alors je t'ai fait la volonté de dire. Pourquoi tu veux arrêter? Qu'est-ce qu'on constate? Que l'ectoplasme, là, qu'on appelle Macron. Quand on appelle un ectoplasme? Non, je ne vais pas ça dans mon. Demandez à Mandingue. Mandingue. Un ectoplasme, c'est un fameux de spectre fantomal. L'ectoplasme, là, qu'on appelle Macron, mon cher Bachir. Pourquoi il a besoin d'un président africain autour de lui pour parler au monde? Non, c'est ça. Pourquoi? C'est son domaine de suivi. Pourquoi est-ce qu'il a. Non, parce que. C'est ce qu'il mais... veut. Mais tout le monde a bien voulu le démontrer, mon cher docteur Basileki. Mais c'est une malédiction. C'est-à-dire que tout le monde entier voit que l'Europe s'est terminée. Il n'y a plus rien. C'est fini ce pays-là. Mais pour parler au monde, essayer de faire. Macron est obligé de ramasser ce vaurien-là, de mettre autour de lui. Pour être à l'aise, parce que est-ce qu'un fantôme parle, un ectoplasme parle, il est obligé de l'assembler autour de lui pour parler. Et voilà. Mon cher Bachir, qui est Macron? Regardez-le. Est-ce qu'il a besoin de parler? Pourquoi? Parce que. Oui, non, je suis ici, je déterminé. Macron est obligé de s'entourer de ces gens pour parler d'eux. Pour se faire entendre. Alors, moi, je pose une question logique, Bachir, je vais terminer par là. C'est que vous avez appelé New Deal. C'est un mot que je ne vais même pas prononcer. Alors, comment quelqu'un qui est en position dominante, parlons comme ça, quelqu'un qui est le chef des esclaves, peut-il, dans un contexte d'incertitude géopolitique, proposer un New Deal à son esclave? Je pose le jeu, je répète encore. Comment quelqu'un qui est en position dominante, allez, il domine les esclaves, c'est là un matin, il dit à ses esclaves, j'ai un New Deal à te proposer. Mais vous ne comprenez pas qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le rapport entre maître et esclave, c'est un rapport de maître et d'esclave. Est-ce qu'on propose à ces esclaves un New Deal? Mais les Africains, pourquoi Macron fait ça? Pourquoi l'Europe fait? Parce qu'ils sont conscients que les changements géopolitiques sont en train de tout remettre à zéro. Et que l'Afrique, même sans le savoir, est en passe de devenir la maîtresse du monde, ma chérie. Le maître du monde. L'Europe le sait, les Macron le savent. Les forces économiques et financières qui sont derrière ce totem-là, qu'on appelle Macron, savent très bien ce qui s'est passé. Que dans les conditions géopolitiques actuelles, il suffit que les Africains ouvrent un peu les yeux. C'est eux qui mènent la danse, qui vont mener la danse. Mais sinon, dites-moi pourquoi un maître esclave peut demander à son esclave que vient faire un New Deal égal. Mais pour qu'il y ait égal,
sans avoir d'être esclave. Mmh. Mais vous ne comprenez pas ça? Mais ces chefaillons-là, vampires qui sucent le continent, on ne sait pas d'où ils sont. Des vampires comme ça. Ils vont s'asseoir pour donner un peu d'énergie, de souffle à un mort vivant, à un continent mort vivant. Mon cher Bachir. Mais Bachir a raison. Ça peut continuer comme ça. En tout cas, Bachir. Non, mais écoutez, non. Écoutez, Bachir. Oui, surtout qu'on a des instruments comme le Fonds monétaire africain, la Banque centrale africaine, la Banque d'investissement africaine. Les études ont été bouclées. Les sièges ont été désignés. Yaoundé, Lagos, Tripoli. Vous abandonnez ça, vous allez chez des gens qui ne valent rien. Non. Voilà les questionnements qu'on doit mettre en Afrique. Bachir, ça n'a jamais échoué. Ça n'a jamais échoué. Ça n'a jamais échoué. Jamais. Sont-ils effectifs? Non, pour qu'ils échouent. Pour que ce projet échoue, il aurait fallu qu'il soit implémenté. Voilà. Mais les criminels ont tué. Voilà. Quand la fille, pourquoi ça ne va pas implémenté? Voilà. Et c'est eux qui vous promettent de nous dire. Vous comprenez? Et quand on tue un président africain comme ça, à leurs collègues, ça ne dit rien. Et oui, il marche sur son cadavre. Non, c'est pas. Et là, nous devons dénoncer ça pour qu'ils comprennent. Il marche sur son cadavre, ils vont s'asseoir avec ceux qui viennent de tuer, n'est-ce pas, leurs collègues. Croyez que ça va s'arrêter. Comme débit. On oublie qu'on va les tuer tous. On va les tuer tous. On va les tuer tous, mon cher Bachir. Donc, moi, je dis ceci. Le message est clair pour nous. Désormais, nous avons pris un autre tournant. Alors, c'est clair, Bachir. Et nous savons de quoi nous parlons. Et nous connaissons que nous sommes les interprètes d'un mouvement historique irréversible. Les présidents africains ne sont pas plus légitimes que nous. Et je le dis de façon solennelle. Ils ne sont pas plus légitimes que nous pour parler au nom de l'Afrique. Je n'ai pas besoin d'un mandat pour ça, ma chérie. Quand on interprète l'histoire, c'est pas le mandat électoral. Surtout quand vous avez des feignants qui sont des présidents. Des feignants. Merci, président Barakani. Donc je dis ceci. Désormais là, ce sommet là est nul. Ces résolutions ont déchiré dans la poubelle. Les présidents là, qui sont, ne pas ils sont rentrés, Bachir. Rendez-vous dans les semaines et les mois qui arrivent. Très bien, le rendez-vous est pris en tout cas dans les semaines et les mois qui arrivent. Merci président Badakani, c'était un plaisir de vous taquiner aujourd'hui encore. Et vous avez fait ressortir le meilleur de vous-même. Merci. Merci en tout cas. Merci Bertrand Tatinda de rappeler que effectivement ces projets ne sont pas morts. Oui, tout à fait. C'est important de le dire pour nos Africains qui continuent à croire vraiment à la libération totale du continent africain. Henri Diabaté-Mandin, j'espère que vous n'allez pas mettre du temps à revenir sur ce plateau. On a besoin des rappels historiques qui nous font savoir qu'on n'invente rien. Surtout que c'est un Malien. Oui, et surtout que c'est un Malien. Merci à Dr Basilika pour le temps et bien sûr toute la matière grise qu'il consacre pour nous. Dr Paul Bekima, merci infiniment de l'autre côté de l'Atlantique. Merci pour la contribution. On espère vous retrouver très très bientôt sur les antennes d'Afrique Média. Et un grand merci à nos techniciens, toujours aussi vaillants et dynamiques, qui ont permis à nos téléspectateurs ce soir de nous suivre sur toutes les plateformes. Émission à voir et à revoir, certainement à revoir demain dans l'après-midi sur les antennes d'Afrique Média. Pendant ce temps, vous ne zappez pas. La seconde partie du débat panafricain, c'est dans quelques instants. On se retrouve dans très très bientôt. Mmh.